C'était l'événement de ce dimanche à Marseille. La grande parade a rassemblé des milliers de personnes à quai et sur l'eau. 2024 embarcations, du kayak au mythique Belém, le plus ancien trois-mâts en Europe en état de naviguer. 2024 bateaux en écho au JO de 2024. Si la France les décroche, Marseille sera ville olympique. En attendant, le spectacle était grandiose. Jean-Louis Boudard, Laurent Esnault. Marseille n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle retrouve ses racines maritimes. Au cœur de cette grande parade, le Belém, le plus ancien des trois mâts français, encore en activité. Autour de lui, une véritable armada. Des embarcations de toutes sortes et de toutes tailles, rassemblant le peuple, des gens de mer, des plus anciens aux plus jeunes. Pour tous les plaisanciers présents sur l'eau cet après-midi, il y avait beaucoup d'émotions. Ça représente un grand moment parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime la mer à Marseille et c'est une preuve que les Marseillais aiment leur ville et participent aux manifestations pour Marseille. L'objectif de cette grande parade était de rassembler sur l'eau 2024 bateaux dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Si la candidature de Paris est retenue, c'est ici, à Marseille, qu'auront lieu les épreuves de voile. C'est là où j'ai appris en grosse partie à naviguer, où a commencé mon projet de haut niveau. Ça représente beaucoup pour moi. Marseille, ville olympique, c'est un rêve. Ouais, ça serait vraiment un rêve. Ouais. L'enjeu est donc énorme et tous les Marseillais l'ont bien compris. Qu'ils soient sur terre ou sur l'eau, ils ont répondu présent à l'appel lancé pour soutenir la candidature de leur ville. Je pense que dans le monde du sport, les Jeux Olympiques sont ce qu'il y a de plus beau. Et donc, avoir des épreuves olympiques avec des champions olympiques locaux, ici à Marseille, sur nos rivages, c'est à la fois une reconnaissance et une immense satisfaction. Après la parade, ce sont deux champions olympiques, Denis Gargochanu et Hélène de France, qui remettent au maire de Marseille le trophée qui symbolise le soutien des Marseillais. Puissent maintenant les vents être favorables à cette candidature, c'est le vœu de tout un territoire.